Bonjour et bienvenue ici à l'Allianz Riviera de Nice pour ce match entre la Pologne et l'Irlande du Nord dans le groupe C de cette Euro 2016. Et les Polonais, les premiers tout de suite en action avec une frappe sans problème pour Michael McGovern. Les Polonais sont favoris forcément, l'Irlande du Nord n'a plus joué de grande compétition depuis la Coupe du Monde 1986, 30 ans déjà qu'on n'avait pas vu l'Irlande du Nord. Ça fait plaisir de les retrouver, mais aujourd'hui ça va être compliqué face à des Polonais qui eux sont habitués aux grandes compétitions. Lewandowski vient de trouver le poteau, la Pologne domine, la Pologne déroule, la frappe ici repoussée, le poteau qui sauve encore le gardien, deux barres transversales pour Lewandowski. Les Polonais pressent en cette première mi-temps, ils veulent trouver l'ouverture ici, une frappe qui est déviée. Allez, réaction irlandaise, peut-être sur les coups de pied arrêtés. Ouais, c'est juste au-dessus cette tête. Mais c'est vrai que dans le jeu, les Irlandais vont avoir du mal. Avec une récupération, Blazikowski, le capitaine Blazikowski, Jakub Blazikowski qui tire, on s'arrase la lucarne de McGovern. Pour l'instant, l'Irlande s'en tire pas mal, la belle récupération. Heureusement, il est un peu gêné sur la fin. 0-0 à la mi-temps, l'Irlande du Nord tient le coup pour l'instant, mais ça reste compliqué. Allez, Piček, Zielinski, le petit crochet, la feinte, Zielinski dans la surface, le tir, et l'ouverture du score pour la Pologne. En ce début de seconde période, les Polonais trouvent l'ouverture par Piotr Zielinski. Et il a fait le boulot tout seul, le milieu de terrain polonais, regardez. Hop, le petit crochet, la petite roulette, et là, le tir croisé, 1-0, la Pologne est devant. Lewandowski, Bajikowski pour Lewandowski. Lewandowski, le tir et la main ferme de Michael McGovern. Pour l'instant, il n'est pas en réussite, le numéro 9 du Bayern. Attention, une belle récupération pour les Irlandais avec Grieg. Grieg qui tente sa chance, ouais, c'est pas mal fait ça de la part de Will Grieg, qui a remplacé Kyle Lafferty au poste d'avant-centre. Et là, il tente sa chance. Il a vu qu'il ne pouvait pas y aller tout seul. Ça se resserrait devant lui. Le corner à suivre. C'est dégagé. La reprise de volée, elle est magnifique. C'est magnifique, mais c'est sans problème pour Lukas Fabianski, qui peut dégager. Lewandowski, Bajikowski pour Lewandowski. Ça glisse en défense. Et Lewandowski qui va se présenter. Tir croisé. Petit filet, 2-0. 2-0 pour les Polonais. Enfin, Robert Lewandowski trouve l'ouverture. Il a trouvé deux fois les montants. Et là, la troisième, c'était la bonne. Mais beau travail de son capitaine, Jakub Blazikowski. Beau décalage. Et là, le goléador polonais ne rate pas l'occasion. Tout en maîtrise. Il avance, il fixe. Et voilà, 2-0. La Pologne a fait le break. On joue la dernière minute de jeu, les Irlandais ont fait ce qu'ils ont pu. Attention, une belle ouverture pour Grieg qui vient d'être passé devant. Oui, le but, non. Oh, ça passe juste à côté. Et bien, l'Irlande aurait pu marquer un petit but en fin de rencontre. Il en s'en fait peu. En tout cas, Fabianski est passé à côté, là. C'est une touche, 4 quarts. C'est dégagé. Allez, on joue les arrêts de jeu. Ça relance, Lewandowski, il est pris. Un ballon pour Grieg, Grieg et but! Oh, le but dans les arrêts de jeu! Eh ben, les Irlandais n'auront rien lâché jusqu'au bout. Ils sont récompensés et Will Grieg, qui avait vu son tir passer juste à côté il y a quelques secondes, cette fois-ci, il n'a pas raté l'occasion. Au revoir, regardez, Lewandowski, il veut relancer, mais il y a un tacle offensif et là, une belle talonnade pour Will Grieg qui conclut. C'est superbe. Et la frappe là, sur un contrôle, 2-1, l'Irlande du Nord réduit la marque, trop tard, la Pologne s'impose pour ce premier match.